pour défendre les Alodiens et les gilets jaunes d'Alo qui en fait sont réprimés par leur maire qui en fait ne souhaite pas qu'ils mettent ni de gilets jaunes ni qu'ils s'opposent à lui. Il veut être réélu l'année prochaine mais en force. Donc soit il les menace, même de mort, soit il est carrément, il leur offre des pots de vin. Voilà, donc on est venu les soutenir et leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls. Voilà. Au passage 80 milliards entre autres, hein, donc ça serait bien qu'on se les récupère pour nous. Voilà, donc tous ensemble, nous sommes les plus forts. Tous ensemble, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble. Alors monsieur, aujourd'hui on se trouve à Alo, petit village juste à côté de Marseille. Oui. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quelles sont vos revendications ? Alors, écoutez, moi je suis venu soutenir les gilets jaunes qui sont ici, d'abord parce que ça représente ces gilets jaunes d'origine qui font leur manifestation de manière bon enfant, dans la bonne humeur. Et puis, j'ai voulu les soutenir parce que quand nous avons révélé les propos honteux du maire d'Alo, qui traitait les gilets jaunes de grosses vaches de 140 kilos, eh bien ils ont réagi. On n'insulte pas le peuple. Et c'est ça le message du jour, c'est que le devoir des élus, c'est de respecter ceux qui les mettent en place, ce que ne fait pas le maire d'Alo. Donc je trouve que c'est une saine colère, une colère, républicaine, démocratique, et ça faisait plaisir de venir leur dire bonjour aujourd'hui. Alors déjà, en tant qu'élu sur Alo de l'opposition, je me suis tout à fait reconnue dans ce qu'a dit la personne, la représentante des Gilets jaunes dans son discours, et je les remercie infiniment d'être venus chez nous. Nous sommes élus d'opposition, nous subissons tout un tas de pressions, d'intimidations, de poursuites judiciaires anormales de la part de la mairie d'Alo, et il était temps que les Gilets jaunes viennent nous redonner un peu notre dignité et notre liberté, notre démocratie. Et c'est une question aussi, je pense, de dignité pour les Gilets jaunes d'être venus aujourd'hui pour s'exprimer librement et dire à un maire qu'on ne peut pas les insulter comme ça impunément, continuellement, sans que la presse d'ailleurs ne le relaye dans leur colonne. Pourtant, ils étaient présents. Voilà, merci en tout cas d'être là et merci de venir nous écouter sur Alo et tout Alo vous remercie.